pendant que l'équipe présente les arguments, l'équipe adverse prend des notes pour être capable de les attaquer. Parce qu'une fois que les arguments seront présentés... Kayla! Kayla! On n'a pas choisi! Comme on va dire, l'Afrique n'a pas d'eau. Comme les Indiens ont pas d'eau. OK. C'est drôle. Gab, il pleurait de rire. J'ai pleuré. Oh non, ok. Le maquillage. Ok, guys, donc là, dans le fond, ben aujourd'hui, désolé, je suis vraiment à côté parce que je vais me faire faire les cheveux tantôt. Puis là, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, ça va être une journée quand même relâche. Je pense que je vais faire un petit peu de montage puis tout. Et à ce soir, je m'en vais avec Kay, on s'en va, dans le fond, on a comme un petit événement Instagram chez Maiden. Fait qu'on va comme avoir une petite formation Instagram. Fait que peut-être que ce serait une bonne vidéo de vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser notre Instagram. Je prends ça en note. Si vous avez envie de voir une vidéo comme ça, dites-moi le dans les commentaires en bas. Ouais, c'est ça. Fait que là, je vais déjeuner parce que j'ai vraiment faim. Fait que là, dans le fond, tout le monde, je m'apprête à me faire couper les cheveux un peu. Pas ça? Là? Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, je vais me faire faire juste un petit rafraîchissement de coupe, là, vu qu'on a un photoshoot à fin de semaine. Puis que là, mes cheveux commencent à être trop longs, un peu. Là. Fait que, on se revoit après, guys. Orange juice morning. Bon, fait que là, guys, dans le fond, là, je suis tout prêt. Je me suis habillé en noir, like always. Et là, faut que je me rende au studio, dans le fond. Fait que je vais aller rejoindre Kayla sur la rue Caserie à Montréal. On va aller manger, genre sur Saint-Laurent, quelque chose comme ça. Comme vraiment, cosy. Puis après ça, on va avoir notre superbe Insta-training. Fait que ça va être vraiment nice. J'ai hâte de voir le monde là-bas, puis de me rendre à l'agence. Donc, on va aller hein, payer des parcomètres à Montréal, c'est pas mal ça. Guys, dans le fond, je suis en route pour aller à Montréal. Sérieux, ça avait pas d'allure. Tout était gelé. Mon champ au complet était gelé. Il a fallu que je dégèle chacune de mes fenêtres. Okay? Puis là, au moins, j'y suis arrivé. Puis, c'est pas si pire. Honnêtement, les routes sont full pas gelées. Je trouve vraiment pas si pire. C'est juste qu'un matin, il est vraiment grêlé. Puis comme il doit avoir encore de la glace sur mon champ. Mais, this is life. This is winter life, guys. Oh my god, guys. Il a fallu que je m'arrête, OK? Comme un petit peu plus loin, genre, mettons, j'étais à la Chenef, fait qu'il a fallu que j'arrête, genre, où il y avait tous les magasins, parce que sur l'autoroute, mon char commençait fucking à checker. Je pensais que j'allais perdre mon char live up, OK? Mais non, finalement, c'était juste la glace qu'il y avait probablement sur l'autoroute, parce qu'il n'y avait rien autour de mes roues. Tout était beau. Puis là, j'ai texté qui, puis elle m'a dit que c'était ça, puis que c'était juste la glace sur l'autoroute. Fait que j'ai genre freaking la vie for nothing, mais whatever, regardez. On va se rendre un jour, on va se rendre. Là, il est rendu 4 heures. Je suis au bout d'air à 4h30. Peut-être plus tard. Hanky! C'est dégueulasse dehors! Ok, guys, là dans le fond, on est avec qui? Puis là, ça fait genre 30 minutes qu'on cherche un restaurant où aller manger. Genre, il n'y a aucun restaurant normal ici, c'est du local. Puis il ouvre tout à 5h, puis il est genre 4h50. Ça fait 30 minutes qu'on les cherche, je les viens d'être. En plus, il pleut. Ok, guys, fait là, dans le fond, on vient d'arrêter chez Burger de Ville. Okay, on a enfin trouvé un maudit restaurant, parce que comme ça n'avait pas d'allure, là, on trouvait rien qui avait l'air de normal, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est ça, fait que là, dans le fond, moi, je me suis pris une grosse poutine avec une soupe et un lait frappé au chocolat. Puis, Kayla, elle s'est pris... La petite poutine, puis le hamburger au fromage avec un petit verre d'eau. Ah, ouais. Il t'ichait. J'ai hâte d'être à l'événement, sérieux. Moi, j'ai bien hâte. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Je me demande comment ça va être comment. Moi aussi. Puis la fille qui nous fait comme le coaching Instagram, c'est genre une Instagram famous. Mm-hmm. Fait qu'on va, c'est qui déjà? C'est quoi son nom? C'est Cara Baramba Bino. Fait que tu mettras dans le bordel. Ouais, je vais mettre ça dans le bordel. C'est mal Cara. OK. Guys, regardez ce magnifique lait frappé au chocolat. Chocolat.
Puis j'ai reçu ma soupe ici. Ok, guys, regardez ma belle poutine. Ça va être tellement. Ça, c'est l'hamburger hacké avec sa petite poutine. Cutie, cutie yeah. pie. Trop bon. Non, ben là, on est trois, je m'imagine, on est quatre, je sais plus compter, tu vois, school dropout. Bon, fait là, guys, on est arrivé à l'événement et je suis avec Kay et Isabelle, ma girl. Puis, comme à date, il y a juste nous trois, là, de la Black Academy, les autres, je sais pas, c'est qui, c'est donc YouTuber, blogger, something. Peut-être, mais je sais pas c'est qui. Mais whatever, on va attendre le reste du people, puis... On verra. Yeah. Guys, on attend pour notre petit cours Instagram. J'espère qu'on va donner des professionnels. Professionnels, no choice. No choice, bitch. On choisit, on a tout notre fil. Moi, je suis pas en AC, côté F2. Fait que c'est comme de choisir un peu son fil. Puis j'ai un blog aussi, puis j'ai un Instagram. Ouais, ouais. C'est vraiment le fil. Ça ne dérange pas. Donc, on est une école. Okay. On donne des cours de cocktail, de dégustation de vin et de. Cours de cuisine pour le grand public. Wow. Voilà, donc dans le Montréal et à Québec. Ok, fait que là, Kay est en train de faire un petit Instagram thing. Fait que t'es en train de faire des belles images comme ça. C'est vraiment beau. Yes! Non, mais regardez ces sublimes desserts de première moisson. I just can't deal with it. Ok, guys, là, dans le fond, je viens d'arriver chez Mel à Sainte-Julienne. Puis j'avais envie de talk, cozy, cozy, together, avec un beau petit coffee comme ça, fait que ça fait du bien des fois. Ok guys, là dans le fond, je viens juste de me laver la face, je suis toute propre, all clean up, puis faut que j'aille me coucher parce qu'il est comme 3h du matin, j'ai comme resté chez Mel pendant genre 5h, ok, faut que j'aille me coucher. Pis, guys, abonnez-vous à ma chaîne. Gênez-vous pas, laissez-moi des commentaires et des suggestions, pis tout, ok? Mettez un like sur la vidéo si vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui. Et si ça vous tente, que je vous apporte à d'autres petits événements que je vais avoir. Sûrement que bientôt, il va en avoir d'autres. Pis, c'est ça là-dessus, guys. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ok, bye!